Bonjour les petits kings. Mes experts du jour vont tester le porteur Portosaurus de Jeannot. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Christelle et avec mon fils Joshua, on va vous présenter aujourd'hui le dinosaure à roulettes de chez Jeannot, le Portosaurus. Et il semble que ça soit déjà adopté. Vas-y, tu veux... Ah, attends, on va rajouter la voiture si tu veux la voiture. Et vas-y, tu avances. Montre comment ça fonctionne. C'est un super dinosaure, tout en bois, avec un petit peu de feutrine là, pour imiter la crête du dinosaure. On a des roulettes qui sont plutôt pas mal parce que du coup, elles sont avec une finition caoutchouc. Donc du coup, c'est assez silencieux, donc très bien pour une utilisation de ce jouet en intérieur. Il y a quelque chose qui est super aussi avec ce dinosaure, c'est qu'on a une queue très douce. Et le gros point positif, c'est que c'est amovible pour pouvoir la laver à la machine. Et c'est très facile à mettre et à défaire. On a aussi de la feutrine qui a été rajoutée juste en dessous du guidon, ce qui fait qu'on n'a pas de bruit. Et le jeu n'est pas abîmé aussi, on n'a pas de traces du guidon qui est tourné au fur et à mesure sur le bois. Et puis ça a l'air d'être très robuste et maniable. Donc ça c'est très bien pour les enfants, parce que c'est vrai que du coup il y a une très bonne maniabilité. Ils peuvent se diriger eux-mêmes dans l'espace, c'est vraiment super. Et puis il est vraiment très joli, c'est presque un élément de décoration pour une chambre d'enfant, c'est vraiment parfait. Donc le seul point négatif, c'est que du coup, il ne veut plus le lâcher. Il veut faire tous ses jeux en étant toujours sur son dinosaure. Bon, ben on vous laisse, nous on va continuer à jouer. Au revoir.